À l'heure où je sors cette vidéo, sort le 7-7, le nouveau set de TFT qui apporte énormément de changements comme d'habitude. Ensemble, je vais vous proposer de voir ces changements et de vous expliquer comment les utiliser dans vos games et comment gagner vos games. On va commencer sans doute par la plus grosse nouveauté du set, ça va être les dragons. Je vais d'abord un peu rapidement vous rappeler comment marchent les dragons. Chaque dragon a son origine qui est triplée. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans TFT, chaque unité a des synergies, vous le savez, mais dans ces synergies, il y a toujours au moins une origine et ensuite il y a plusieurs classes ou pas du tout. Par exemple, on a le dragon qui est Siphon, son origine ça va être Whisper, mais sa classe ça va être Bruiser. Ce que je vous demande, c'est pas de connaître toutes les origines, etc. Mais bon, pour faire simple, à chaque dragon il y aura une de ses synergies qui est triplée, mais pas toutes. Donc, par exemple, quand Siphon sera joué, il comptera pour 3 Whisper, mais pour un seul Bruiser. Ensuite, les dragons prennent 2 places sur le board, comme les colosses du set d'avant. Ils ont aussi 750 HP bonus, c'est une valeur qui peut peut-être changer, elle a déjà changé plusieurs fois sur le PBE. Mais bon, voilà, ils ont beaucoup d'HP bonus qu'ils vont seulement avoir si c'est le seul dragon qui est joué sur votre board actuellement. D'ailleurs, la triple synergie aussi dont on a parlé tout à l'heure avec les origines, c'est pareil. Si vous avez plusieurs dragons en même temps sur le board, il n'y aura pas cet effet d'actif, il n'y aura pas non plus les HP bonus. Du coup, le jeu, on voit qu'il nous empêche pas complètement de jouer plusieurs dragons en même temps, mais c'est pas recommandé parce que vous perdez beaucoup d'intérêt de jouer ces dragons justement et ces unités qui coûtent très cher. L'un des seuls scénarios où vous allez au final vouloir jouer plusieurs dragons, c'est quand vous avez certaines augmentes qui vous permettent en fait de jouer plusieurs dragons. Donc, il y en a 2 dans le jeu actuellement. Avec ces augmentes là qui sont d'ailleurs très fortes, vous allez pouvoir jouer plusieurs dragons et même avoir encore plus de bonus que ceux de base. Maintenant, on va voir comment on se procure ces dragons. En fait, ça va être des unités classiques, sauf qu'elles vont coûter beaucoup plus cher que celles de base. Vous avez 2 types de dragons. Les épiques et les légendaires, les violets et les dorés. Les violets qui coûtent du coup normalement 4, là vont coûter 8. Les légendaires qui coûtent normalement 5 comptent ici 10 gold, le double en fait à chaque fois. Le but de ces dragons, c'est de les avoir au final niveau 2 dans votre compo en fin de game. Donc c'est des unités très late game. Elles ont beaucoup de puissance, à l'heure où je vous parle, il y a très peu de dragons qui sont faibles au final, tous ils sont jouables. C'est des unités qui coûtent cher et qui sont rares, du coup pour se les procurer avant le niveau 8, ça va être compliqué. Donc je vous conseille d'aller chercher vos dragons niveau 2 quand ils coûtent 8 au niveau 8 et quand ils coûtent 10. Au niveau 9, donc vraiment très light. Si vous avez des dragons comme ça qui tombent au niveau 5 ou au niveau 6, c'est assez fort, je vous conseille de les prendre si vous avez la place sur votre board. Bien entendu, ça prend 2 places et ça coûte très cher, donc faites attention à pas jouer n'importe quel dragon n'importe quand. Par exemple, je joue pas un dragon qui est censé faire des dégâts quand vous avez déjà beaucoup de dégâts mais pas de front. Comme je viens de le dire, les dragons ils sont chers, donc un dragon qui coûte 8, si vous le passez niveau 2, ça va vous coûter 24 gold, et un dragon qui coûte 10, ça va vous coûter 30 gold. Alors je sais que là vous dites c'est des maths super basiques, mais c'est bien important de se rendre compte que ça coûte toujours autour de 30 gold en fait. Et 30 gold, c'est beaucoup dans TFT. Avant, on pouvait se permettre de roll down au niveau 8 avec à peu près justement 30 gold pour upgrade nos unités. Là, si on a vraiment 0 dragon et que c'est important de trouver des dragons pour upgrade notre compo, on va attendre d'avoir vraiment beaucoup de gold avant de roll down, avant d'utiliser nos gold en fait. Voilà, donc je vous conseille de faire attention un petit peu en late game à votre économie, à pas non plus chercher trop de dragons en même temps parce que ça va vous coûter trop cher si vous en stockez plein avant d'en jouer un. Si vous arrivez à passer un dragon niveau 2 avec des bons items et que votre compo est solide, ça va être très fort et vous allez pouvoir jouer le top 1. Comme on l'a vu, il y a 7 différents dragons. Je vais vous résumer rapidement quel type de dragon il y a, qu'est-ce qu'ils font. Pour les 4 dragons qui coûtent 8, on va avoir Daeja qui est une sorte de DPS. Pour ceux qui ont joué au set d'avant, ça ressemble beaucoup à Kayle en fait. Vous allez lui mettre une Jinzo, vous allez lui mettre une QSS, de quoi survivre concrètement. On va avoir Idas qui n'a pas de dégâts du tout, mais qui est super tanky. On a Siphon qui est un bruiseur tanky, qui a un gros burst sur son spell. Donc en gros, il fait de très gros dégâts, il est très tanky. Actuellement, en tout cas au début du set, c'est peut-être le meilleur dragon. Ensuite, on a Shioyu, qui est un dragon de jade. Il peut paraître un peu bizarre celui-là, mais en gros, dites-vous que c'est un DPS frontline. Donc en gros, vous allez lui mettre des items de dégâts AD et peut-être même des items tanky pour qu'il survive. Vous avez Shyvana, qui va être un tank. Donc vous allez lui mettre des items de tank, logiquement. Mais vous allez aussi pouvoir lui mettre des items AP, elle a des bons dégâts de base. Donc un Rabadon, ça peut être très bien aussi. Et enfin, vous avez Aoshin et Asol, Aurelion Sol, qui sont du coup, avec Shyvana, des dragons qui coûtent 10. Je les mets ensemble, Aoshin et Aurelion Sol, parce qu'ils se ressemblent beaucoup en fait. C'est des dragons qui font des gros dégâts magiques que vous allez jouer en fin de game pour vraiment finir la game. Donc, ça, c'est la première grosse nouveauté. Et il y en a une deuxième de nouveauté dont on entend peut-être un petit peu moins parler. Ça va être le Treasure Dragon. En gros, pour faire simple, c'est juste les nouveaux Raptors. Donc avant, il y avait en 4ème PVE, en 4ème combat contre démons, il y avait les Raptors. Maintenant, il n'y a plus de Raptors, il y a les Treasure Dragon. En fait, c'est juste une sélection de 5 éléments. Des reforgeurs, des Nico, des items, des gold, quelque chose, voilà. C'est des cadeaux en fait. Vous en avez 5. Et si ces 5 cadeaux qui vous sont proposés, vous ne les aimez pas, vous en avez pas envie, vous pouvez utiliser juste un seul gold pour les rerolls. En fait, vous allez du coup pouvoir sélectionner un petit peu vos derniers items au PVE. Le Treasure Dragon, ça vous permet un peu de forcer l'item que vous voulez. Je vais pas trop m'éterniser là-dessus, c'est juste intéressant de voir qu'il y a plusieurs différentes odds. En fait, le tableau qui contient les chances d'avoir tel ou tel item est sorti. Je vais vous l'afficher, il est un peu bizarre ce tableau parce que c'est juste un Excel en fait fait par Morddog, l'un des développeurs. Ce qui est important de voir, c'est qu'on a 1,4% de chance au final au total d'avoir une spatule
Et on a aussi 0,2% de chance d'avoir certains autres éléments, comme par exemple même une crown, donc une faune, pour vous rajouter une unité sur le board, ou 3 Chief Gloves, 3 Loaded Dice. Il y a des loots un peu bizarres que vous allez avoir de temps en temps, mais concrètement, c'est toujours des items complets, des composants d'items et des gold. En majorité, c'est ça. Le troisième point que je vais voir avec vous, c'est des changements sur les augmentes. C'est des changements qui sont un petit peu plus discrets, c'est des changements dont on a peut-être un peu moins entendu parler, mais qui sont, je pense, super intéressants. Il va y avoir 3 gros changements, dont un qui est un peu plus discret, dont je vais parler en dernier. Le premier, c'est que on peut maintenant reroll un choix d'augmente une fois par game. Ça veut dire qu'une seule fois parmi vos 3 choix, vous allez pouvoir dire non, ces 3 choix ils me plaisent pas, je veux 3 nouveaux choix du même tiers bien entendu, et ça, le jeu va vous proposer 3 nouvelles augmentes. Petite technique, je vous conseille pas de reroll des augmentes de niveau silver, des augmentes de niveau 1. En fait, les augmentes silver, c'est souvent des augmentes qui ont peu d'impact sur votre game. Ça peut être des augmentes super intéressantes, mais souvent elles sont un petit peu plus faibles que les autres, et du coup on n'a pas trop envie de cramer notre reroll d'augmente là-dessus. Maintenant, vous pouvez le faire si vous avez déjà, c'est votre 3e augmente en fait, ou alors si vous avez vraiment que des augmentes qui ne vont pas du tout avec ce que vous avez besoin. Maintenant, les augmentes vont apparaître en 2-1, en 3-2 et en 4-2. En fait, c'est vraiment des intervalles entre les augmentes qui sont plus ou moins tout le temps les mêmes maintenant. Donc vous avez toujours plus ou moins un stage, donc 6 rounds entre chaque augmente. Ça change pas énormément de choses au niveau du gameplay au final. Il y a un truc qui change par contre, c'est que la dernière augmente, elle tombe 3 rounds avant par rapport à au set précédent. Donc ça veut dire qu'elle tombe en 4-2 au lieu de tomber en 4-6. Là où ça change, c'est que du coup, bah, ça donne de la puissance au board de tout le monde 3 rounds avant. Donc ça change un petit peu le tempo de la game. Mais bon, pour tout ce qui est joueurs un petit peu plus casuels qui vont moins faire de games, ça n'aura pas d'impact. Pour les joueurs un peu plus compétitifs, faudra juste le garder en tête, mais c'est pas non plus un impact de fou. Le dernier changement des augmentes, et ça pour moi, c'est celui qu'on voit le moins, qu'on comprend le moins directement, mais qui est le plus important. La valeur moyenne des augmentes a changé. Premièrement, les augmentes qui vous donnaient des gold avant sont beaucoup moins fortes et beaucoup moins nombreuses. On a vu pour les joueurs qui ont joué avant le 7-6, vous en êtes peut-être rendu compte, une sorte d'inflation au 7-6 justement au niveau des gold. En fait, en début de game, les gens avaient beaucoup plus de gold, c'était pas rare de voir des gens avec 50 gold en 2-5, en 2-5 ou 2-6. Ça, c'est lié à plusieurs synergies comme Yordle et Mercenary qui vous donnaient des gold passivement, mais c'était aussi lié à certaines augmentes comme Rich Get Richer, Treasure Trove et Calculated Loss par exemple. La plupart de ces augmentes ont été supprimées ou changées pour être un petit peu affaiblies. Ces augmentes qui restent d'ailleurs sont toujours très fortes, c'est pas parce qu'elles sont plus faibles qu'avant qu'elles sont faibles. La différence en fait majeure, c'est que avant c'était pas rare d'avoir des augmentes de gold en early, donc les augmentes donnaient plus de gold. Maintenant, comme c'est assez rare, celles qui donnent encore des gold, elles sont toujours fortes. Pour faire simple, continuez de prendre les augmentes qui donnent des gold, mais c'est normal d'avoir moins de gold en early game. Par exemple, il y a une augmente qui s'appelle AFK, qui est super forte en fait, dont je vais parler dans un short bientôt, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a aussi un autre changement du coup au niveau de la puissance, c'est les prismatiques. Les prismatiques, elles ont été un petit peu descendues en puissance, parce que bah, elles étaient bien trop impactantes avant. Si vous aviez pas une bonne prismatique contre un mec qui a une bonne prismatique, c'était pas rare de perdre la game instantanément en fait. Maintenant, elles ont moins d'impact. Elles sont toujours très fortes bien entendu, mais l'un des changements majeurs des prismatiques, c'est le fait que ce qu'on avait avant comme étant par exemple la Chemtech Soul, donc c'était une augmente qui vous donnait 2 spats Chemtech, et ben maintenant ça n'existe plus. Bon, bien entendu il n'y a plus de Chemtech donc c'est normal, mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a plus d'augmente qui vous donne 2 spats, maintenant ce sera toujours une spat et un champion plus un item lié à cette spat. Donc par exemple si c'est une synergie défensive, vous allez avoir un item défensif avec. Ça peut paraître faible peut-être par rapport à 2 spats comme avant, mais en fait non, c'est pas si faible, c'est vraiment fort. C'est un super changement à mon avis. Maintenant on a posé les bases de pas mal de changements, je voulais finir cette vidéo par 2 choses. En dernier je vous parlerai de quelques petits tricks un peu intéressants qu'on peut voir ensemble, mais avant ça je vais vous montrer 3 openers, donc 3 boards que vous pouvez faire en début de game, dès le début de la game, pour gagner vos early games tout simplement. En premier on va avoir tout ce qui est Dragon Munster et Jade. En fait Dragon Munster et Jade c'est des synergies qui vous donnent une petite statue pour Jade qui va buffer les unités autour au début du round, et Dragon Munster ça vous donne un item qui vous permet de buff une des unités Dragon Munster en lui donnant des HP et des dégâts. C'est des synergies fortes en early game parce qu'il y en a beaucoup d'unités de ces synergies qui sont des 1 ou des 2 cost, donc des unités qui coûtent 1 ou 2. Ça va être surtout particulièrement ces deux champions que j'ai mis là, Karma et Ashe. Pourquoi Karma et Ashe? Parce qu'elles ont toutes les deux les 2 traits en même temps, en fait, elles sont toutes les deux à la fois Jade et Dragon Munster. Donc vous jouez ces deux unités là et vous avez déjà 2 sur 3 Dragon Munster, 2 sur 3 Jade. Autour de ça, vous allez juste jouer un autre Dragon Munster, un autre Jade, et vous allez être super fort. Donc en fait, dès le niveau 4, vous pouvez rentrer ces deux synergies en même temps, c'est super fort. Comme je l'ai dit, c'est des unités qui coûtent pas très cher, donc vous allez par exemple avoir 7 que vous pouvez rentrer pour rentrer Dragon Munster, et vous allez peut-être avoir aussi Taric,
que vous pouvez rentrer pour avoir Jade. Et donc là, comme j'ai dit, vous avez les deux effets en même temps. Dès que vous passez niveau 5, vous allez essayer de compléter une des synergies que ça vous offre. Donc par exemple, Tariq, eh ben, il est Guardian, donc vous allez pouvoir jouer un Guardian avec lui pour ajouter de la tankiness. Là, vous avez des dégâts, de la tankiness, même si tu fais un peu de dégâts, de la tankiness, il fait les deux en fait. Et là, vous êtes très fort. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ça, vous pouvez jouer à peu près n'importe quel item en early aussi. Et bien entendu, c'est pas la seule option. Si imaginons vous avez une Senna 2 et vous n'avez pas de Tariq, ou alors vous en avez qu'un seul, eh ben, vous allez peut-être en fait avoir plus envie de jouer les Dragon Mancer, puis rentrer une Senna 2 justement. Hop, et puis avec ça, vous rentrez un chaîne au niveau 5, vous avez Red Wing. Donc c'est facile en fait de changer un peu ces openers que je vais vous montrer. Donc le but, c'est pas de parler du late game ici, je vous montre juste des openers, mais à partir de ça, vous pouvez rentrer d'autres Jade au fur et à mesure, et puis vous pouvez partir sur le dragon Shioyu, le dragon Jade, c'est assez classique comme opener. Cet opener est très flexible, c'est-à-dire que vous pouvez jouer beaucoup de compositions à partir de cet opener, parce que vous pouvez faire à la fois des dégâts AD potentiellement sur Ashe ou Senna par exemple, ou des dégâts AP sur Karma ou même sur Ashe aussi. En deuxième opener, un opener aussi très simple, c'est l'opener Trainer. Donc Trainer, ça va être une synergie que vous faites avec Tristana et Heimerdinger. Si vous avez ces unités dès le premier PVE, donc dès les premiers combats de monstres, rentrez-les directement, parce que ça vous permettra de stacker Nomzi. En fait, la synergie Trainer, comment ça fonctionne, vous donnez tous les rounds où vous jouez Trainer, des biscuits à Nomzi, une grenouille en gros, c'est le Gromp, qui va grossir et devenir de plus en plus fort. Donc plus tôt vous le rentrez, plus Nomzi sera fort en fait. Donc là vous avez que deux unités bien entendu, mais autour de ça vous avez envie de jouer quelque chose qui fait des dégâts, parce que là vous avez déjà de la frontline. Du coup on a souvent envie de jouer Jinx, qui va être canonnier avec Tristana. Donc Jinx porte bien les items AP, Tristana porte bien les items AD, les deux portent plutôt bien les items AD globalement et les items d'attaque speed. Heimer peut aussi porter des items AP si besoin. Et là vous avez 3 unités, donc en 4ème vous pouvez facilement rentrer Tahm Kench, qui est un autre très très bon tank en early game. Et encore une fois c'est super malléable. On peut aussi rentrer Lulu, qui est le 3ème trainer, ça va juste augmenter les dégâts de Nomzi, c'est très intéressant. Bah, vous voyez vous pouvez changer beaucoup de choses. Au niveau 5 du coup, avec l'opener un peu plus basique Jinx et Tahm Kench, on va pouvoir rentrer un Bruiser pour aller avec Tahm Kench, donner des HP à tout le monde. Skarner, une des meilleures unités du jeu en early game, ça devrait toujours être le cas, peu importe quand vous regardez cette vidéo, parce que je vois pas pourquoi il la nerferait trop. En fait, Skarner, tant que son shield est en place, il fait beaucoup beaucoup de dégâts en début de game. Donc voilà, tout début de la game très fort, ça tombe un peu après, mais c'est très fort. Je pense que cet opener a le potentiel d'être plus fort que le premier qu'on a vu, mais il est un petit peu moins flexible et il est un peu plus dur d'accès, parce que vous voyez qu'il faut quand même des unités qui coûtent 2. Le dernier opener qui est un peu moins vu dans mes games, mais qui est quand même très considéré et très fort, c'est l'opener mage. Donc en fait, vous avez plusieurs mages early game qui sont très forts, mais le pilier de votre composition, le pilier de votre opener, ça va être Nami. Pourquoi Nami? Parce que bah, elle va peut-être être nerf par la suite après, mais elle est actuellement très 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 forte. Son spell donne énormément de dégâts, il est énormément, c'est un très bon mage early game. Donc je vous conseille de jouer Nami. Avec ça, vous pouvez jouer facilement Vladimir, qui coûte qu'un seul et qui est aussi Astral. Astral, ne vous faites pas bait, c'est pas trop une synergie que vous voulez rentrer en début de game pour faire des golds. Ça prend trop de temps pour réellement faire des golds avec Astral. Vous rentrez Astral peut-être en early game pour d'autres raisons, mais pas pour faire des golds. Et du coup, avec ça, on a deux mages. Autour de ça, vous jouez n'importe quel mage que vous trouvez. Ryze est très intéressant parce qu'il fait des dégâts assez puissants en early game si vous avez la frontline qui suit. Donc vous pouvez mettre par exemple un ZZ Rot sur votre... Bon là, il est radiant le ZZ Rot, mais vous pouvez mettre un ZZ Rot sur Vladimir ou n'importe quel item de frontline, n'importe quoi. Autour de ça, au niveau 5, en parlant de frontline, vous pouvez jouer n'importe quoi d'autre aussi. Donc par exemple, vous pouvez jouer des Guardians comme ça. Vous pouvez jouer avec Silas, qui va être lui aussi mage. Vous allez pouvoir jouer des frontliners, donc vous allez pouvoir jouer des tanks. Voilà, il y a pas mal de synergies qui sont fortes ensemble, mais le pivot principal de mage, ça va être de jouer autour de Nami. Si vous la trouvez niveau 2 très vite, vous allez peut-être pouvoir faire une très grosse win streak. Vous allez avoir envie de mettre vos items sur Nami et peut-être des items tanky sur Vladimir s'il passe 2 assez vite. C'est un opener que vous voyez moins que les deux premiers, mais si vous avez des items magiques, n'hésitez pas à le considérer. En tout, ces 3 openers, ils vont peut-être constituer 90% de vos games si vous êtes vraiment dans un esprit tryhard. Les 3 openers sont très forts actuellement et je vous conseille de les apprendre assez vite. Ils sont très très forts et très très simples. Pour moi, c'est les meilleurs du jeu actuellement. On a fini avec toutes les explications du set. Maintenant, il y a une petite dernière chose que je veux voir avec vous. C'est quelques petits tricks, quelques petits changements qui sont intéressants. Premièrement, maintenant, tous les heals sont en omnivamp. Ça, c'est très important. C'est pas trop stipulé nulle part. Mais les heals, par exemple, de la BT, donc le Bloodthirster, avant, ce qui vous permettait de vous heal sur les dégâts des autos et des spells de dégâts physiques,
va maintenant être en omnivant. Donc maintenant ça va marcher avec les dégâts magiques. Pareil pour la Gunblade, vous allez pouvoir vous heal avec vos auto-attaques et heal vos alliés avec les auto-attaques de la personne qui porte la Gunblade. Donc maintenant tous les heals du jeu sont en omnivamp et heal sur n'importe quelle source de dégâts. Le Shred va être globalement moins fort cette saison. Le Shred, pour ceux qui savent pas, c'est ce qui réduit les résistances, donc ça va être le Last Whisper et le Static par exemple si on parle d'item, mais aussi des unités qui vont faire du Shred. En fait il y a moins d'armure que dans les sets précédents déjà au niveau des synergies ou même des unités, ce qui veut dire que le Last Whisper c'est un item plus situationnel. En plus le nombre d'armure qui réduit a été baissé. Donc, globalement, faire les items de Shred, les items qui baissent les résistances, ça va être moins intéressant. Maintenant, il y a beaucoup d'unités dans le jeu qui vous permettent de Shred. Je pense principalement déjà à Twitch. Si vous êtes en train de jouer des ADC comme Xayah, par exemple, vous pouvez jouer Twitch qui a son spell qui, en fait, réduit les résistances. Donc, Twitch, très intéressant en early game, en mid game, en late game, quand vous voulez, en fait, pour réduire les résistances. Illaoi, c'est pareil. Elle réduit en plus les dégâts, les résistances magiques. Donc, vous pouvez jouer une Illaoi en frontline pour réduire les résistances de vos adversaires. Les fights sont plus longs maintenant. Donc, tout ce qui va être item défensif va être beaucoup plus fort que le set d'avant qui était très implosif, très explosif. Le but, le set d'avant, c'était vraiment de tuer vite son adversaire parce que bah, les gens avaient beaucoup plus de dégâts, les unités avaient beaucoup plus de dégâts. On faisait que des items offensifs et pas d'items défensifs. Là, ça ne marche plus exactement comme ça. Faire des items défensifs, ce sera beaucoup plus fort sur ce set. Enfin, en dernier, je vais vous parler vite fait des items d'anti-heal. Le Morello était très fort la saison d'avant. Il a été pas mal nerf. Je trouve qu'actuellement, il va sans doute être rebuff ou changé. Donc, au moment où vous regardez la vidéo, ça dépend de quand. Peut-être que le Morello sera à nouveau fort, donc prenez ça avec des pincettes. Par contre, la Sunfire, je pense qu'elle va pas trop être changée. Et Sunfire, c'est l'un des meilleurs items du jeu actuellement à faire en early game. En late, un peu moins, mais c'est quand même un item super fort. Donc, n'hésitez pas à faire des Sunfire dès le début de la game. Moi, personnellement, au début du set, je vais commencer mes games avec une Chain Vest, normalement, ou une Belt, donc des items défensifs pour pouvoir faire des Sunfire. Merci à vous d'avoir regardé, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à regarder ma vidéo aussi sur les 5 erreurs que vous faites souvent dans vos games. Je suis sûr que dans ces erreurs-là, pour ceux qui n'ont pas déjà vu la vidéo, il y en a que vous faites. Moi, je vous dis à plus pour sans doute des guides sur des compos qui vont arriver très vite. Salut tout le monde.